devenir un assassin pour les nuls. Alors, pour cela, je vais vous apprendre trois règles. La première, qui est très simple, c'est toujours garder la capuche sur la tête. Déjà, un, ça cache une mauvaise coiffure. Et de deux, ça permet d'accuser un autre assassin si vous êtes trompé de cible. La deuxième règle est aussi très simple. C'est toujours se mêler à la foule. Pour échapper aux gardes. Et la troisième règle, et la plus importante, mais surtout chez les filles, c'est séduire sa victime, sa cible, avant de la tuer. Thank you.
Alors, nous applaudissons encore, c'était pas prêt. La maladie se passe, en fait, on vient de Clermont-Ferrand et on réalise des costumes. On est arrivé ici, parce qu'en fait, on était à la Geek Convention de Clermont-Ferrand et on était en kimono, en cosplay. Et on propose en fait la réalisation de cosplay sur commande et aussi de location. Voilà. Bon, normalement, on a 6 pattes, hein, mais c'est que les deux autres pattes sont au jury. Bah, aujourd'hui, ça a été une très bonne journée. Je remercie vraiment les organisateurs parce que bah, on s'est vraiment amusé. J'ai trouvé vraiment le concept très très amusant et très très, très sympa. Pas amusant. Je vais dire très, très bien. Alors, nous avons ici Marianne, qui a un yukata, donc, qui a été cousu par Pauline Devant, et une ceinture Obi. Alors, les Obi, il en existe de plusieurs ordres. Celui-là, il est simple, avec, non pas comme moi, où j'ai effectivement le gros nœud derrière. Voilà. Et elle a le petit nœud. Voilà, bon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. On les applaudit, merci, je peux juste faire un petit peu sur... Merci, c'est sympa ce que vous faites. Alors on va attendre le jury, est-ce que vous avez fait vos choix? Donc allez, alors Loris, tu peux descendre, tu vois.